propose maintenant, pour conclure la journée, d'écouter Isabelle Rigoni, qui va nous faire une intervention sur l'école inclusive et les EANA, orientation scolaire et enjeux éducatifs. Merci. Bon, vous allez en avoir assez hein, de me voir. Alors, oui, effectivement, on m'a demandé de parler de l'école inclusive. Alors, je pense que vous savez quand même à peu près ce que c'est, mais je vais revenir sur certains points, notamment l'école inclusive est arrivée relativement tardivement en France hein, par rapport à la situation dans d'autres pays. Donc, j'en parlerai un petit peu pour commencer. Je parlerai des élèves allophones nouvellement arrivés aussi très très rapidement, mais pour vous montrer des figures. Alors vous les connaissez au niveau local, mais pour vous montrer quelques figures nationales. Et puis après, surtout, je parlerai de l'orientation scolaire et des enjeux éducatifs, parce que la question de l'orientation scolaire, elle est très très peu connue concernant les élèves déjà issus de l'immigration, c'est-à-dire pas ceux qui nous intéressent directement aujourd'hui, hein, ceux qui sont de la, entre guillemets, deuxième, troisième génération. Déjà, il y a peu de choses. On sait qu'il y a des problèmes qui sont quand même un peu spécifiques, mais il y a peu de données sur eux, et il y a encore moins de données, on va le voir, sur les élèves primo-arrivants par rapport à leur parcours scolaire, et encore en plus, encore davantage par rapport à leur parcours d'orientation. Donc j'essaierai d'en parler un petit peu, parce qu'on a, un programme de recherche assez récent, il est toujours en cours, mais qui est spécifique justement à cette question d'orientation scolaire. Alors, déjà un petit point là sur les besoins éducatifs particuliers et l'école inclusive. On entend souvent parler d'école inclusive, de besoins particuliers, sans forcément toujours avoir les définitions en tête et ni savoir exactement ce que ça recoupe. Bon, il y a plusieurs définitions, hein. Donc il y en a une de l'OCDE que je trouve assez intéressante, une définition qui date de 2008, qui porte donc sur les besoins éducatifs particuliers des élèves, que l'OCDE classifie en trois catégories. Vous voyez, je trouve que c'est assez clair, finalement, ce type de catégorisation. Trois catégories, donc une première catégorie qui est de l'ordre de la déficience, une deuxième catégorie concerne les difficultés, une troisième, les désavantages. La déficience, ce sont essentiellement des problématiques liées aux situations de handicap. Donc là, on dépasse bien entendu hein, tout ce que je vous expose là, cette diapo et puis je crois la suivante. On dépasse évidemment le cadre de l'allophonie, des besoins spécifiques en termes d'apprentissage linguistique notamment. Hein. On est dans une acception beaucoup plus large des besoins éducatifs particuliers. Et d'ailleurs, les besoins éducatifs particuliers concernent initialement surtout des personnes et en l'occurrence des élèves, puisqu'on est à l'école ici. En situation de handicap. Et ensuite, on a extrapolé en disant, mais il n'y a pas que les élèves et les personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques, il y a aussi d'autres catégories de population. Donc cette définition et ces trois catégories, elles portent, en tout cas les deux premières surtout, elles portent surtout sur les problématiques du handicap. Donc la déficience, c'est lié à une déficience motrice, sensorielle ou neurologique. Les difficultés sont liées, elles, plutôt à des difficultés d'apprentissage. Donc là, vous voyez bien que c'est graduel. Hein. La déficience, on est dans des problématiques un peu plus lourdes. Les difficultés, la plupart de ces difficultés vont être passagères. Donc c'est essentiellement des difficultés d'apprentissage liées à des troubles du comportement, à des troubles affectifs notamment qui produisent des effets sur la façon dont les élèves vont pouvoir s'investir ou pas à l'école et dans les apprentissages. Et puis enfin il y a une troisième catégorie qui représente les désavantages. Alors là qui s'applique beaucoup plus justement aux jeunes avec lesquels vous travaillez, les difficultés d'ordre socio-économique, des difficultés culturelles, de dialogue interculturel notamment, on l'a évoqué un petit peu ce matin déjà notamment avec l'intervention de Zeynep. Difficultés culturelles et évidemment difficultés linguistiques. Donc là aussi, on est quand même sur des difficultés passagères, hein, dont on sait qu'elles vont forcément se résoudre d'une façon ou d'une autre à un moment donné, alors plus ou moins rapidement, mais elles sont quand même supposées passagères. Donc ces trois catégories, voilà, je vous ai mis en grisé la référence de l'OCDE, de cette étude de 2008 de l'OCDE. Et puis alors cette notion de besoin éducatif particulier, elle apparaît
d'abord dans les pays anglo-saxons et surtout en premier lieu en Grande-Bretagne. La notion de besoin éducatif particulier, elle naît au milieu des années 70 en Grande-Bretagne, entre 1975 et 1978, du temps où Margaret Thatcher était ministre de l'Éducation nationale en Grande-Bretagne. Parce qu'elle a été ministre de l'Éducation nationale, et elle avait commandité, alors c'est assez étonnant, en tout cas moi je trouve ça assez étonnant de sa part, elle avait commandité à l'époque une étude sur les personnes, et en l'occurrence surtout les élèves, à besoins spécifiques. Alors on ne les appelait pas comme ça encore à l'époque, mais elle voyait bien qu'il y avait certaines catégories d'élèves avec lesquelles les enseignants, les équipes avaient des difficultés. Et elle a commandité une recherche qui a abouti à un rapport qui a été mené notamment par des personnes en sciences de l'éducation, des psychologues également. Cette recherche a été surtout menée par quelqu'un qui s'appelle Marie Warnock, W-A-R-N-O-C-K, et cette Marie Warnock a, elle, conceptualisé cette notion de besoin éducatif particulier, Special Educational Needs en anglais, et ça a été traduit tel quel ensuite en français et puis dans différentes langues. Mais en tout cas, au départ, l'origine de ce terme et l'origine de ce concept, c'est britannique. Mais en France, alors le concept n'a traversé la Manche que 30 ans plus tard, puisqu'en France, on commence à parler de besoins éducatifs particuliers depuis une vingtaine d'années, grand maximum. Donc on a mis du temps vraiment à intégrer cette notion-là en France. Il y a des pays européens qui ont été un petit peu plus rapides en la matière et qui se sont davantage intéressés à ces publics à besoins particuliers, qui ont davantage travaillé aussi sur l'inclusivité, la société inclusive, l'école inclusive. Je pense notamment à l'Italie qui est beaucoup plus investi, beaucoup plus tôt que la France et beaucoup plus largement dans l'école inclusive. Donc voilà, cette démarche, elle n'est pas évidente dans tous les pays. En France, on est plutôt très en retard par rapport à cette question-là. Donc il y a une adoption tardive de la notion de BEP en France. Ces BEP, ces besoins éducatifs particuliers, on peut les associer à une situation particulière, une situation d'élèves en l'occurrence particulière, qui vont impacter les relations sociales au sens large, c'est-à-dire pas uniquement, quand on parle de besoins particuliers, on ne pense pas forcément uniquement aux relations d'apprentissage linguistique, d'apprentissage d'incorporation des différents savoirs par matière, etc., mais plus des relations sociales au sens large. Et plus particulièrement, évidemment, les relations à l'école et aux différents apprentissages, mais aussi, je pense notamment quand je parle d'apprentissage, au métier d'élève. Donc c'est une dénomination BEP qui concerne théoriquement tous les élèves en difficulté ou en grande difficulté scolaire, et pas seulement ceux qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a collé BEP à situation de handicap, mais aujourd'hui, depuis... une petite dizaine d'années, depuis 2013 à peu près, on a élargi, le législateur aussi a élargi les besoins éducatifs particuliers au-delà du champ du handicap stricto sensu, et donc on s'intéresse aussi aux élèves dont on parle là aujourd'hui, et notamment les élèves allophones. Alors on le voit se traduire dans la classification qu'en donne la DGESCO, alors qu'en donnait déjà la DGESCO en 2003. Donc la DGESCO en 2003 a donné une classification des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc vous voyez, je crois qu'il y en a 8, oui c'est ça, 8 catégories d'élèves à BEP. Donc vous voyez quand même la plupart d'entre eux sont plutôt des élèves en situation de handicap, différents types de handicap, en difficulté scolaire, en situation familiale ou sociale difficile, les HPI, les enfants malades, les enfants mineurs en milieu carcéral aussi, qui ont évidemment des besoins spécifiques du fait de leur enfermement ou suivi particulier. Et puis donc on a parmi ces 8 catégories les EANA et les EFIV.
Donc les élèves allophones nouvellement arrivés et les enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs qui commencent à être considérés par la DGESCO dès le début des années 2000 comme des élèves à besoins particuliers, même si les dispositifs à leur encontre ont beaucoup évolué depuis, parce que en 2003 on était sous l'ère des CLIN et des CLA, qui étaient plutôt des classes justement et pas des dispositifs, hein, des classes fermées, bien que apparemment il existait aussi des CLIN et des CLA ouvertes avec des élèves qui circulaient entre l'ordinaire et les CLIN et les CLA, mais enfin bon, c'était quand même majoritairement des classes fermées, alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 2012, on est passé au dispositif UPE2A ou aux UPS dans certaines académies pour les EFIV. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire très rapide des besoins éducatifs particuliers. En ce qui concerne donc les élèves primo-arrivants, donc les EANA à l'école en France, je voulais quand même vous montrer quelques chiffres. Alors vous les avez peut-être déjà consultés, ces statistiques. J'aime bien montrer toujours la comparaison avec l'année, entre une vingtaine d'années, voir l'évolution. Ces statistiques, alors celles de 2014-2015 comme les plus récentes, elles sont issues de l'ADEP. Donc l'ADEP, c'est la division de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Donc c'est l'organisme statistique, c'est l'organisme de l'éducation nationale qui est chargé de toutes les études statistiques. Alors bien sûr, pas du tout que sur les EANA, mais surtout toutes les statistiques concernant l'éducation nationale sur les élèves, sur les enseignants, voilà, sur les établissements scolaires. Et l'ADEP s'est intéressée pour la première fois en 2014-2015 à la question des EANA, j'allais dire des EFIV, non, même pas des EFIV, à la question des EANA. C'est-à-dire qu'avant 2015, on n'avait aucune statistique nationale officielle sur le nombre, la proportion, l'âge, etc., des élèves allophones nouvellement arrivés. La première étude de l'ADEP, c'est ça, 2014-2015, et il y en a eu deux autres depuis, mais pas forcément tous les ans, vous le voyez. Et donc les chiffres de 99-2000, là, ils sont issus de travaux de chercheurs qui ont essayé d'agréger des données, mais en allant sur les différents terrains. Donc on a de toute façon des statistiques, que ce soit d'ailleurs les statistiques collectées par les chercheurs un petit peu partout, ou les statistiques de l'ADEP, elles sont très clairement sous-estimées. Je vous expliquerai pourquoi, notamment pour celle de l'ADEP. Alors déjà, en tout cas, ce qui est important, vous le voyez là à l'écran, c'est que sur l'année 99-2000, on comptabilisait à peu près 2000 élèves nouvellement arrivés non francophones. À l'époque, on ne parlait pas d'élèves allophones, mais on parlait de non francophones. Et puis, on voit qu'une quinzaine d'années plus tard, et même 20 ans plus tard, les chiffres ont vraiment connu une progression exponentielle, avec aujourd'hui, alors on n'a pas les chiffres sur l'année 2022-2023, mais bon, national ? Ah, national, on les a maintenant. C'est pas tellement plus élevé. Vous vous en souvenez ou pas ? Oui, voilà. Mais là, si on fait le total avec ceux qui sont pris en charge par les MLDS et tout ça, on arrive à 67 000 et quelques. Donc, en tout cas, on n'est pas dans une augmentation gigantesque, pas une augmentation telle qu'on l'a connue précédemment. Voilà. Donc, 70 000 EANA aujourd'hui, comptabilisés par l'ADEP. Là-dedans, donc il y a aussi l'ADEP, mais un petit peu à part, ceux qu'ils ont pris en charge par les MLDS, donc Mission de lutte contre le décrochage scolaire. A priori, on n'est pas du tout dans le même type de public, j'en reparlerai après des MLDS. Mais en fait, les MLDS arrivent dans ces statistiques, sont arrivés relativement récemment, parce que depuis quelques années, l'éducation nationale demande aussi aux MLDS de trouver des solutions, notamment aux mineurs non accompagnés, non affectés. Alors pas que les MNA, mais quand même dans l'immense majorité, à des MNA qui n'ont pas de place en fait dans le système scolaire, qui sont non affectés. Et donc on essaye de trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas de place notamment, et on essaye de trouver des solutions via les MLDS, alors qu'on est dans des profils et dans des publics d'élèves complètement différents, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après quand je parlerai des MNA. Donc ces 67 000 élèves en 2020 ou 70 000 aujourd'hui, ils représentent 6,5 pour 1000, donc 0,65% des élèves. Alors c'est une toute petite proportion, vous allez dire, petite proportion d'élèves.
Néanmoins, c'est une question aujourd'hui qui impacte tous les établissements et qui impacte tous les professionnels, toutes les équipes, les enseignants, mais aussi, bien évidemment, tous les professionnels des établissements scolaires. Vous voyez qu'il y a presque 8 829 établissements scolaires concernés. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une question qui concerne tous les établissements sur tous les territoires de France métropolitaine et d'outre-mer, que ce soit en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Et le milieu rural a découvert la question, finalement, de la scolarisation des élèves migrants allophones, surtout avec les populations syriennes qui sont arrivées à partir de 2015. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'immigration en milieu rural avant, bien entendu, mais en tout cas, ça s'est beaucoup accéléré à partir de 2015. Et on a des toutes petites localités, des petites communes, des petits établissements qui n'étaient pas du tout confrontés à ces questions-là et qui ont été justement obligés de trouver des solutions en bricolant. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais dire aussi sur ces statistiques, c'est que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, elles sont très très certainement sous-estimées, ces statistiques, parce que l'ADEP travaille sur des remontées, vous savez sans doute, sur des remontées de données d'établissements. Donc c'est les établissements qui, pour les élèves allophones comme pour d'autres choses, font remonter leurs propres données à l'ADEP. Donc on sait qu'il y a des établissements, parce que nous on a enquêté sur plusieurs académies et au niveau micro-local, on voyait que ça collait pas du tout avec ce qu'on voyait sur le terrain, et voilà, vous allez me dire la même chose, je pense. Et donc on a des établissements qui jouent le jeu et qui font effectivement bien remonter les données. On en a d'autres qui jouent moins le jeu pour différentes raisons. Il y a des départements entiers qui ne font pas ou très peu remonter les données. Donc l'ADEP a dû insister au moment de ses enquêtes, insiste plusieurs fois assez lourdement dans certains départements ou près de certains établissements pour la remontée des données. Donc ça, c'est une chose. Et une deuxième chose aussi, pourquoi c'est sous-estimé, c'est que, comme vous le savez, les élèves allophones, c'est des migrants, donc ils arrivent au fil de l'eau, n'importe quand, ils ne sont pas tous là au mois de septembre. Donc une remontée de données qui s'effectue en novembre, tous les élèves qui arrivent après, ils sortent des statistiques. Pourtant, c'est des statistiques sur une année scolaire. Donc, si la remontée des données, c'est novembre, tous ceux qui arrivent entre novembre et juin, parce qu'évidemment, vous le savez, il en arrive aussi en juin, même 15 jours avant les vacances d'été, et bien tous ceux-là, tous ces élèves-là, ils ne sont pas dans les statistiques. Donc, ça peut concerner quand même les deux tiers de l'année scolaire. C'est quand même énorme. Et on voit effectivement, nous, quand on allait dans les classes, dans les programmes de recherche, quand on est présent dans les établissements scolaires au moins une demi-journée par semaine, et donc on voyait bien que ce qui colle statistiquement, enfin la réalité statistique d'un établissement, on voit bien que nous, on n'avait pas du tout la même chose sur le terrain. On avait trois fois plus d'élèves allophones parfois. Néanmoins, ces statistiques ont le mérite d'exister. Ce sont les premières, celles de 2014-2015, les premières officielles. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir des figures et notamment d'avoir une idée de la répartition de ces élèves sur le territoire français. Toujours selon l'ADEP, 9 élèves allophones sur 10 bénéficieraient d'un accompagnement en dispositif. Alors, dispositif, ça peut être l'UPE2A, l'UPE2A NSA pour les non scolarisés antérieurement, mais aussi d'autres types de dispositifs. Lorsqu'il n'y a pas d'UPE2A, parfois vous pouvez avoir, j'imagine qu'ici c'est pareil, des cursus avec soutien linguistique. Alors des fois ça s'appelle les brigades FLS pour français langue seconde, ou ça s'appelle différemment selon les académies, mais on a des établissements dans le second degré qui, sur leur budget, leur dotation horaire globale, accordent 3 heures de français, 3 heures de soutien en français. On a beaucoup de lycées surtout qui font ça, notamment les lycées pro, mais aussi des collèges qui font ça lorsqu'il n'y a pas du PE2A dans l'établissement ou lorsqu'il n'y en a pas non plus à proximité. Après, on a d'autres dispositifs, par exemple, comme les DFLE. Alors là, ça s'appelle différemment, là aussi, selon les académies. C'est des dispositifs français langue étrangère, pour la majorité d'entre eux, sur fonds européens. Donc c'est des fonds, je pense que sur l'Académie de Lille, ça a dû exister à un moment donné, pas du tout. Il me semble que toutes les académies étaient plus ou moins couvertes à un moment donné. Ça a commencé par l'Académie de Versailles, puis après ça a essaimé un petit peu partout. Et donc là, c'est assez lourd à mettre en place, parce que ça veut dire que c'est au niveau de la direction académique ou des CASNAV, et souvent c'est
Beaucoup les CASNAF qui étaient quand même chargés de monter des projets européens, donc c'est quand même très lourd de monter des projets européens, monter des projets européens pour obtenir un financement sur 4 ans pour ouvrir ces dispositifs-là qui étaient plutôt des dispositifs spécifiques pour essentiellement pour les MNA. Bon, en fait, ce n'était pas dit comme ça, mais c'était surtout pour pallier le manque du PE2A NSA pour les non-scolarisés antérieurement. Et face à une demande à des arrivées plus importantes de grands adolescents qu'on ne pouvait évidemment pas mettre au collège, mais qui pour autant ne pouvaient pas suivre au lycée, et ben la solution, ça a été, lorsqu'il n'y avait pas du PE2A NSA, de monter ces dispositifs sur fonds européens. Voilà. Le problème, c'est que ces dispositifs sur fonds européens, c'était un financement de 4 ans. La plupart ont été créés en 2018, donc ils viennent juste de s'arrêter. Certains ont été renouvelés, mais la plupart non. Et c'est ce qui occasionne encore plus d'attentes d'affectation, parce que comme il y a du coup la disparition de ces dispositifs, les grands ados qui se retrouvent, qui sont peu scolarisés antérieurement et qui sont d'âge lycée, ils grossissent les rangs de ces jeunes en attente d'affectation parce qu'on n'a pas vraiment de solution adaptée pour eux, en fait. Tout ce que je vais vous dire maintenant va concerner plutôt... Il me reste combien de temps? Je crois que j'ai trop parlé. Ah bon, d'accord. 15. Ok, donc maintenant je vais parler des questions d'orientation. Et tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant est basé sur un certain nombre de recherches sur l'accès à l'éducation, à la scolarisation pour les jeunes migrants, qu'on a monté avec beaucoup d'autres collègues. Hein. Donc vous avez une liste là, de 6 projets de recherche sur lesquels on a travaillé depuis une dizaine d'années. Et j'ai mis en rouge Où je migre, parce que c'est sur celui-là sur lequel je vais baser mon propos maintenant. Parce que le programme Où je migre, alors vous voyez qu'il court encore, hein, il prendra fin en 2024, oui, enfin vraiment toute fin d'année 2024. Il est financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, et ce programme Où je migre, il porte sur l'orientation scolaire des jeunes migrants. Il n'y a aucune étude jusque-là qui a porté de façon systématique, en tout cas, hein. Il y a eu des études locales sur les parcours scolaires, l'orientation, mais en tout cas pas d'études systématiques au niveau national. Donc là, on essaye de faire ça, c'est assez difficile. Dans Où je migre, il y a un volet statistique sur lequel moi je ne travaille pas du tout. Hein, c'est des statisticiens, sociologues, démographes, des statisticiens qui... on a une convention avec la DGESCO pour accéder à toutes les données des anciens EANA, normalement sur une vingtaine d'années, et travailler sur leur devenir scolaire, qui est super compliqué parce que les EANA, ils sont à ENA normalement pendant un an, selon la circulaire de 2012. Après, quand ils sortent des dispositifs, ils ne sont plus catégorisés EANA, donc c'est très difficile de savoir ce qu'ils deviennent. Donc il y aura un volet statistique pour essayer de voir ce qu'ils sont devenus un petit peu partout, observer les différences territoriales aussi, et puis un volet qualitatif sur lequel on est beaucoup de chercheurs à travailler, puisqu'il y a 5 académies. Alors les terrains que je vous ai mis là, c'est toutes les académies sur lesquelles on a travaillé sur l'ensemble des projets. Pour le projet Où je migre sur l'orientation, les académies sur lesquelles on travaille, c'est Aix-Marseille, Bordeaux, Créteil, Strasbourg et Versailles. Donc sur ces 5 académies, on prend sur le volet qualitatif, on s'intéresse à une trentaine de jeunes dans chaque académie, c'est-à-dire qu'on on a commencé à les suivre lorsqu'ils étaient primo-arrivants et inscrits en classe de 3e. Inscrits en classe de 3e et bénéficiaires aussi d'un dispositif UPE2A. Donc on les a suivis on était présents auprès d'eux quasiment toutes les semaines pour voir leur parcours scolaire et comment l'orientation se construit avec les différents acteurs au sein de l'établissement, mais aussi en dehors de l'établissement, et puis la famille évidemment aussi. Donc on les a suivis pendant toute la classe de 3e et on les a suivis à N+1 et cette année à N+2 pour essayer de voir ce qu'ils sont devenus. Donc là, on aura vraiment une des figures assez fines sur des parcours d'orientation d'à peu près 150 jeunes qui vont permettre d'affiner finalement les résultats statistiques qu'on aura par ailleurs. Alors, c'est à partir de là que je vais vous parler maintenant.
toutes les problématiques qui concernent l'orientation, elles commencent avant même l'entrée, finalement, la scolarisation dans les établissements. C'est pour ça que j'ai intitulé cette diapo « Du jeune à l'élève », c'est-à-dire c'est considérer, s'intéresser aussi au parcours du jeune avant même qu'il devienne élève dans le système scolaire français. Donc, comment se passe l'accès à la scolarisation pour les jeunes migrants allophones? Donc, bon, vous le savez, je passe très vite là-dessus. Hein, donc, d'abord, l'entretien avec les jeunes et leurs familles ou leurs éducateurs s'il s'agit de mineurs non accompagnés dans les CIO ou dans les CASNAV, les tests de positionnement en français ou en langue d'origine et en mathématiques. Et à l'issue de ces entretiens, de ces tests de positionnement, donc des propositions d'affectation formulées par les CIO ou les CASNAV, propositions d'affectation dans un établissement en fonction du secteur, du lieu d'habitation du jeune et de sa famille, et de la présence ou non d'un dispositif aussi. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que l'affectation, déjà avant même que le jeune devienne élève dans le système scolaire français, l'affectation est déjà une sorte de première orientation. Et une première orientation qui peut être problématique parce que, alors même si dans beaucoup de cas ça se passe très bien, il y a aussi parfois quelques mauvais diagnostics de positionnement parce que c'est compliqué aussi de s'entretenir avec un élève, une famille allophone parce qu'il n'y a pas d'interprétariat, parce qu'il n'y a pas forcément le temps toujours d'entrer dans les détails, notamment par rapport au projet de la famille, au projet du jeune. Et donc on observe quand même quelques mauvais diagnostics de positionnement et ces mauvais diagnostics de positionnement ont un impact évidemment considérable si celui-ci est posé au moment d'une année charnière. Et nous, on s'est intéressé à la classe de 3e et je me souviens notamment d'un jeune qui avait d'abord été affecté en UPE2A, en classe de seconde et en UPE2A lycée. Mais finalement c'était pas ce qu'il lui fallait, en tout cas c'était le constat de l'enseignante très très rapidement au début d'année. Il se trouvait que dans ce groupe scolaire au niveau du collège il y avait aussi une UPE2A et donc de façon un peu bricolée les enseignantes se sont refilé le jeune, c'est-à-dire voilà, l'enseignante du PE2A lycée a dit à sa collègue du PE2A collège, tu veux pas le prendre, je pense qu'il serait mieux en classe de 3e parce que finalement il n'y a pas un écart d'âge si important que ça, ça lui permettrait, il est bien scolarisé, c'était un mineur non accompagné qui avait bien été scolarisé antérieurement. Et donc l'idée c'était que la classe de 3e allait lui permettre justement d'entrer dans l'apprentissage de la langue française et de gagner déjà une année par rapport au choix quasiment définitif d'orientation, hein, par rapport à un positionnement en seconde. Donc ça, ce parcours d'élève a pu être réorienté finalement, mais c'est pas le cas de certains d'entre eux qui ont été pas forcément toujours bien affectés par rapport à leur parcours scolaire antérieur. On a aussi des propositions d'affectation qui ne sont pas toujours suivies d'effets. Alors c'est assez rare, hein, lorsque parfois des parents refusent une affectation, c'est assez rare, je ne sais pas si vous le voyez de façon assez fréquente ou pas, mais je pense que c'est rare un petit peu partout. En tout cas, nous, on a observé que c'était assez rare sur les territoires où on a enquêté. Généralement, quand les parents refusent, c'est en raison de l'éloignement géographique par rapport au lieu de résidence, parce qu'il y a trop de transport en commun. On a quand même généralement des élèves qui font... on a souvent, ce n'est pas des cas isolés, des élèves qui font une heure et demie de trajet aller et pareil retour le soir, et pas uniquement en région parisienne. Donc en région, c'est la même chose aussi. Donc effectivement, ça peut être une motivation de refus des parents. Mais parfois, on a aussi des refus des instances départementales, de la DSDEN, ou des rectorats qui ne vont pas forcément suivre les préconisations d'affectation. Alors, je pense que les situations sont différentes selon les territoires, mais en tout cas, nous, sur certaines académies, on le voit. On le voit, et en plus, les CIO et les CASNAV n'ont pas forcément un retour.
Apparemment, ici, ça se passe plutôt bien. Apparemment, il y a des retours vers les CASNAV et les CIO, mais sur certaines académies, les CASNAV, les CIO ne savent pas ce que deviennent leurs élèves. Et nous, d'ailleurs, on a été confrontés à cette question-là, puisque pour l'enquête au Je migre, on s'est tourné vers les CASNAV ou les CIO en leur demandant où étaient les élèves, les EANA de 3e. Donc, ils nous ont fourni une liste d'élèves par établissement. Et lorsqu'on a été dans les établissements, un établissement où on nous indiquait 10 élèves, il n'y en avait que 6 ou 7. On dit, mais ils sont où les autres ? On ne sait pas, nous, on n'a jamais été mis au courant. Donc personne ne savait, en fait, où les élèves avaient été finalement affectés. Donc ce qui est quand même problématique quand vous recevez aussi les élèves en classe, parce que ces propositions d'affectation, elles ne sont pas forcément toujours en cohérence. Lorsque les élèves sont affectés, donc scolarisés, la question de l'orientation, bien entendu, elle est importante. Donc toujours inscription en classe ordinaire, bien entendu, et puis l'EANA donc va bénéficier d'un dispositif spécifique s'il y a un dispositif dans l'établissement. Ce qu'on observe, c'est quand même un manque. Alors on pointe là, y a plein de cas où ça se passe bien, hein, mais ce qu'on pointe là, c'est effectivement les choses à améliorer. Donc ce qu'on observe parfois, c'est un manque de suivi des élèves pendant leur scolarité et leur orientation. Alors déjà, au moment de l'arrivée dans l'établissement, un manque d'informations sur le processus d'affectation. Parfois, les professeurs ne connaissent pas toujours les résultats des tests de positionnement, ou alors les tests vont arriver, mais avec un temps de décalage, ce qui fait qu'au début, les enseignants du PE2A ont l'habitude de s'adapter, vous avez l'habitude de vous adapter, mais en classe ordinaire, c'est un peu plus compliqué pour les collègues de classe ordinaire. Et donc, c'est le fait qu'il y ait un décalage dans le temps entre l'arrivée de l'élève et l'arrivée des résultats des tests de positionnement, c'est évidemment problématique quand même. Et puis surtout, là, c'est beaucoup plus massif, au moment du départ, surtout du départ de l'établissement, parce que lorsqu'un élève est affecté hors secteur, hors de son secteur, pour lui permettre justement de bénéficier d'un dispositif UPE2A ou autre, à l'issue de son année en UPE2A, si ce n'est pas son établissement de secteur, il va sortir de l'établissement, repartir de l'établissement pour rejoindre normalement son établissement de secteur. Et à partir du moment où l'élève quitte l'établissement pour rejoindre celui du secteur, il y a trop peu souvent de passation d'information. En fait, et cette passation d'information, ce manque de passation d'information, il est préjudiciable, surtout si les élèves sont sur des années charnières comme celle de la troisième, hein, encore une fois. Ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est une information à l'orientation auprès des familles très inégale en fonction des établissements. On a des établissements qui, depuis le Covid, n'ont toujours pas rétabli des réunions parents-prof. Hein. On a des collèges dans lesquels il n'y a aucune réunion parents-prof, encore en 2023, même pas à distance non plus. Les entretiens avec les psy-UN, là aussi, ça va dépendre des établissements, parce qu'on a des établissements dans qui accueillent beaucoup d'élèves allophones. Normalement, une UPE2A, c'est 25 élèves, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça ? 25. Sur les NSA, 15 alors, mais pas les... Ah oui, en même temps, ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a certains établissements qui scolarisent jusqu'à... Alors nous, on a vu jusqu'à 70 EANA dans un établissement, avec évidemment un seul dispositif. Donc dans ce cas-là, évidemment, on a un turnover très important des élèves qui peuvent bénéficier que de quelques heures, hein, dans l'UPE2A. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce qu'évidemment, quand il y a 70 élèves allophones dans un établissement, le PsyEN, il aura d'autant moins de temps pour accorder à chacun des élèves par rapport à son parcours d'orientation et au choix d'orientation. Le choix d'orientation, il doit être expliqué évidemment à tous les élèves, mais je dirais presque encore plus, aux EANA, parce que il y a cette méconnaissance du système scolaire français. Donc déjà que le système scolaire français est compliqué pour la plupart des familles, alors évidemment pour des familles qui ne sont pas du tout familiarisées, ça nécessite quand même beaucoup plus de temps.
Pareil sur les OEPRE. Les OEPRE, ben, il y en a évidemment dans certains établissements, mais il y a quand même un maillage territorial qui est encore assez peu satisfaisant. Donc voilà, s'il y a une OEPRE dans l'établissement, évidemment, les familles migrantes sont potentiellement mieux informées que celles pour lesquelles il n'y a pas d'OEPRE. Et puis, on a aussi des élèves allophones qui sont pris dans le flot de tous les élèves du collège et qui sont invisibilisés, d'autant plus invisibilisés s'ils ont des difficultés à entrer dans la langue française et s'ils sont aussi plutôt peut-être timides ou s'ils ont telle et telle pathologie aussi peut-être parfois qui les empêche d'entrer facilement dans les apprentissages. Donc là, je vous ai apporté une citation d'entretien d'une CPE dans un collège qui était en charge d'une classe, notamment hein, d'une classe de 3e dans laquelle se trouve Aïché, donc j'ai changé le prénom, hein, cet élève Aïché, une élève de 3e. Donc la CPE dit « Aïché, je découvre, et c'est ça qui est grave, c'est que je découvre ces difficultés au conseil de classe du premier trimestre hein, quand même. Donc là, je me suis noté qu'il fallait absolument que je la voie. J'ai honte de le dire, mais en même temps, je préfère le dire que on avait préparé le conseil avec la professeure principale, et donc on avait listé les élèves qui se sentent pas bien, les élèves qui étaient en difficulté. On a parlé un petit peu d'Aïché, mais pas énormément en fait. Il y avait tellement d'autres élèves qui étaient en difficulté qu'elle est passée un peu à la trappe. Et cette élève Aïché, donc on la suit, moi ça fait la 3e année que je la suis, elle est complètement mutique. Elle est arrivée à l'âge de 15 ans et demi en France, originaire de Turquie, l'aînée d'une fratrie, le frère et la sœur, ils étaient tous les trois scolarisés en collège quand ils sont arrivés en France. Les deux plus jeunes, plutôt extravertis, sont rapidement entrés dans l'apprentissage du français. Et Aïché, par contre, est restée mutique et au bout de 3 ans, elle est toujours mutique. Ce qui est extrêmement compliqué parce que du coup, elle passe à la trappe. Ses problèmes particuliers à elle ont vraiment été repérés au moment du conseil de classe. Donc, on était quand même en décembre alors qu'elle avait été scolarisée dès le tout début septembre. Et puis surtout, bah, c'est la question de l'accompagnement à l'orientation. C'est comment faire face à des élèves qui, pour différentes raisons, et notamment beaucoup de raisons psychologiques, hein, n'entrent pas dans ces apprentissages. Et puis on a aussi, alors dans ces élèves invisibilisés, aussi des élèves qui sont inscrits au DNB, par exemple, en 3e. Et c'était le cas de cette élève Aïché, hein, qui avait été inscrite au DNB. Et lorsqu'elle a changé d'établissement en cours de 3e, nouvel établissement a dit, mais comment ? Elle est inscrite au DNB, mais là, elle va droit au casse-pipe. Il est impossible de lui faire passer le DNB, elle ne maîtrise pas suffisamment le français. Et donc ce nouvel établissement a demandé à la famille de désinscrire leur enfant du DNB. Bon, je vous passe sur les détails, parce que c'est quand même un peu compliqué de demander ça, il me semble, à une famille. Enfin, ça induit quand même beaucoup de choses. Et bon, ça a finalement été fait, mais vous voyez que les choses ne sont pas simples. Et pour ces élèves qui passent un peu à la trappe, qui sont invisibilisés, ça peut avoir beaucoup de conséquences quand même. Alors, l'enseignant, bah, vous en fait, les enseignants en dispositif, vous êtes vraiment des pivots en matière d'orientation et de suivi, même si normalement, ce n'est pas dans les fonctions de l'enseignant du PE2A, c'est plutôt théoriquement, en tout cas, le prof principal qui devrait assumer cette fonction-là pour tous les élèves de sa classe, y compris les élèves allophones. Sauf que, bah, comme vous le savez, hein, dans la réalité, les enseignants, les profs principaux n'ont pas forcément les élèves allophones en inclusion dans leur matière, dans le second degré, d'où la difficulté, évidemment, d'un suivi et d'un accompagnement à l'orientation par les professeurs principaux. Donc c'est finalement souvent les enseignants en dispositif qui ont des rendez-vous avec les familles, qui contactent les familles par différents outils. Alors ça peut être par Pronote, mais un certain nombre le font aussi par les emails ou le téléphone, par WhatsApp hein, par exemple, ou d'autres outils. Et puis beaucoup d'entre eux organisent quand même des séances sur l'orientation. Par exemple, une enseignante du PE2A collège disait « J'ai introduit des séances qui étaient vraiment dédiées à l'orientation. J'ai introduit des séances qui étaient dédiées à la recherche de stage, par exemple, au fait de faire un CV, une lettre de motivation. Aussi, ça m'est arrivé de diriger les élèves vers des mini-stages. Ça m'est arrivé d'accompagner des élèves sur des portes ouvertes. » Donc, il y a souvent, évidemment, un investissement qui déborde... qui peut déborder le cadre scolaire, mais en tout cas qui déborde les attributions d'un enseignant en UPE2A.
parce que justement les questions d'orientation ne relèvent pas normalement d'attribution d'un enseignant en UPE2A. Et cette même enseignante que je vous ai citée à l'instant continue en disant bah, finalement moi je suis le passeur un peu dans ces processus, je suis quelqu'un d'accompagnant, quelqu'un d'aidant, mais j'ai pas, voilà, j'ai toujours voix au chapitre dans son établissement, mais institutionnellement non, je suis pas prof principal. Et ça revient souvent dans son discours. Je suis censée, donc elle hésite en fait dans ce qu'elle peut faire, pas faire, comment elle bricole avec tout ça. Mais évidemment que ça passe par le coordinateur, évidemment. Donc voilà, moi je suis un peu un facilitateur dans tout ça et j'essaie de leur expliquer les enjeux, j'essaie tout simplement de leur dire où sont les formations. Mais vous voyez quand même, c'est une professeure expérimentée, hein. Avant elle était déjà enseignante dans les clins et les éclats. Pour autant, elle a du mal à parler finalement de son investissement et de... par rapport à l'orientation, parce que c'est pas clair finalement, les attributions elles sont pas claires, les frontières sont pas bien définies, hein. Et puis ça fait pas partie de la formation non plus. Je pense notamment à des enseignants contractuels. Je sais pas si ici il y a des contractuels sur les UPE2A, ça dépend beaucoup des académies, ouais. Et donc notamment moi j'avais rencontré une enseignante contractuelle qui disait cela, en fait, une enseignante contractuelle qui avait un statut d'auto-entrepreneur, titulaire d'un master FLE, mais qui n'était jamais passée par un INSPE, donc jamais formée pas suivi de master MEF, jamais formée pour enseigner finalement dans l'éducation nationale, et qui souligne, alors je la cite, qu'elle parlait d'elle comme ça, je ne suis pas éducation nationale. Et elle disait très souvent dans son discours, finalement je ne connais pas grand chose en matière d'orientation. Néanmoins, j'avais suivi son travail pendant toute l'année, hein, elle m'avait reçu sans problème, mais elle était vraiment gênée par rapport à ça, parce qu'elle disait, moi ça fait 4 ans que j'enseigne dans ce dispositif, mais moi j'ai une formation FLE, j'ai pas du tout une formation en INSPE, je connais pas l'éducation nationale, j'ai appris sur le tas. Donc elle a appris pendant ces 4 années, mais elle se sentait pas légitime en fait dans l'accompagnement à l'orientation. Donc voilà, c'est quand même assez problématique. Je ne sais plus combien il me reste. Ah ouais. Bah ouais, c'est ça. bon, voilà. Bon, je vous dis quand même juste peut-être des délais. Oui, quand même, ça c'est important aussi dans les questions d'orientation en troisième, des délais qui sont peu adaptés aux élèves qui arrivent dans le système scolaire français par rapport à l'inscription au diplôme et par rapport aux échéances d'orientation. Il y a des choix très très rapides qu'ils doivent faire, hein, dès leur arrivée. On a des inscriptions au diplôme, notamment le DNB, CFG, le DELF aussi, qui sont incompatibles avec des arrivées perlées, parce que les élèves qui arrivent à partir du mois de janvier, mais même des fois un peu avant les vacances de Noël, on ne peut plus les inscrire, hein. Je pense qu'ici c'est pareil. Les délais administratifs font qu'on ne peut plus les inscrire au DNB, DNB, CFG, et même aussi souvent le DELF. Donc ça pose quand même problème, surtout pour des élèves qui peut-être vont arrêter leur scolarité très rapidement après la troisième, sans rien du coup. On a des sorties sèches aussi, des dispositifs, qui produisent aussi parfois des choix d'orientation au rabais. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Après, j'imagine que je sais pas si j'ai le temps de prendre 5 minutes sur les MNA ou pas. Non. Ou sinon, on en discute tout simplement. Hein. Voilà. Parce que... Ouais, peut-être juste... Voilà, je terminais là-dessus. Peut-être juste pour les MNA, c'est que... Les MNA sont évidemment, on l'a dit déjà un peu ce matin, majoritairement orientés vers le professionnel, pas tous, mais quand même dans l'immense majorité, lycée pro, vers l'apprentissage. Pour les jeunes, c'est des choix, des vrais choix, hein, pour certains d'entre eux, mais pour d'autres, ce sont des choix contraints vers des filières dites rentables qui permettent justement la garantie, ou en tout cas l'espoir d'une garantie d'obtention de papier, comme on l'a évoqué ce matin, à l'arrivée à la majorité aux 18 ans des jeunes. Mais cet état de fait est quand même déploré par une partie du corps enseignant et des équipes pédagogiques, hein, mais notamment des enseignants. Et notamment, j'ai la formule là souvent que j'aime bien citer en intervention d'une enseignante en lycée qui dit finalement aujourd'hui l'immigration devient une orientation. C'est-à-dire que le fait d'être immigré
d'être élève allophone, encore plus précisément, contraint les choix d'orientation, à tel point que immigrer égale telle filière, finalement. Alors, je grossis évidemment à gros traits, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'entrer dans les détails, mais c'est aussi ce qui a été dénoncé par cette enseignante, et juste, voilà, je voulais juste revenir sur le propos aussi d'une enseignante ici, qui dit « le seul MNA que j'ai fait partir en général avait un éducateur inexistant ». Sous-entendu, comme l'éducateur n'intervenait pas, elle a pu finalement accompagner le jeune dans un choix d'orientation qui aurait été probablement très différent si l'éducateur avait pesé aussi de tout son poids, parce que le choix de l'éducateur aurait été très certainement différent. Donc ce qu'on observe quand même, pas systématiquement, mais dans certains parcours, et je terminerai là-dessus, c'est les différences de positionnement, de choix d'orientation, de conseils par rapport au choix d'orientation entre les éducateurs et les juristes aussi parfois, vous êtes intervenu ce matin, et puis les enseignants qui ont parfois des visions un petit peu différentes, peut-être plus nuancées, en tout cas qui ouvrent d'autres perspectives. Alors je ne vais pas dire qu'une perspective est meilleure qu'une autre, qu'un choix d'orientation est meilleur qu'un autre, mais en tout cas on peut quand même percevoir aussi des tensions dans les choix d'orientation entre les différents professionnels qui accompagnent ces jeunes. Voilà, merci, je termine là-dessus. Et puis pareil, je vous mets quelques références, et il y a notamment un article que je vais faire paraître, mais bientôt je pense dans les semaines qui viennent, sur l'orientation scolaire des mineurs isolés étrangers. Voilà, donc ça c'est, bon ça date un peu parce que ça met du temps à paraître, mais voilà, et puis après il y a d'autres choses qui concernent plus généralement les élèves migrants, mais voilà, sur l'orientation scolaire, il y a cet article à paraître. Je vous remercie.